On aura besoin de 500 g de boisson Powerade bleue, une cuillère à café d'arôme citron, 16 feuilles de gélatine, 10 cl de sirop de sucre de canne et des paillettes alimentaires. Nous avons ici du doré et de l'argenté. Alors, l'astuce est super simple. Dans le saladier, je verse la totalité de la boisson bleue. Alors, dans cette recette, n'hésitez pas à rajouter du colorant bleu si besoin. Ensuite, par-dessus, on va verser le sirop de sucre de canne. Et maintenant, direction le micro-ondes. On va faire chauffer tout ça, allez, environ 2 minutes. Alors, dès que c'est bien chaud, on égoutte les feuilles de gélatine et on les met directement dans la préparation chaude. On vient également y mettre l'arôme de citron et mélanger au fouet. Je verse le tout directement dans mon moule Tour Eiffel. Allez, j'amène ça au frigo pour environ 5 heures. On a une Tour Eiffel qui est magnifique, on va pouvoir la faire scintiller. Donc on y met des paillettes alimentaires. Je vous montre ça de près parce que c'est magnifique. Là, on a un énorme bonbon avec un petit goût de citron. Et je peux vous dire qu'avec ça, je vais vraiment me régaler. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. Alors, je me coupe une belle part. Je vous montre ça de près, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Donc l'arôme citron que l'on a mis à l'intérieur nous apporte vraiment une bonne acidité, c'est vraiment délicieux.